Salut tout le monde, c'est Carnage, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Enchant 3.2 sur Warlord 2. Et aujourd'hui je vais vous présenter deux gameplays, donc de moi-même. Donc j'ai fait deux Rocket V2 au sniper en solo. Donc dans une seule vidéo j'ai présenté les deux gameplays parce qu'ils se ressemblent énormément. Et je voulais savoir lequel des deux gameplays vous préférez, en fait, le plus beau en fait. Lequel est le plus beau. Donc voilà, vous allez regarder en gros les deux gameplays. Donc le premier gameplay, voilà, c'est au sniper au car 14K en diamant sur Gusta Canon. Et le deuxième, c'est la même chose, c'est au car en diamant sur Gusta Canon. Donc c'est pas la même partie, en plus c'est le même mode de jeu. Sauf que le voilà, le seul truc, c'est que dans la deuxième, j'ai fait la vicieux. Dans la première, j'ai pas fait la vicieux. Dans le premier gameplay que vous voyez là, c'était ma 52 Rocket V2. Et le deuxième gameplay, c'est ma 57ème je crois. Donc de toute façon vous allez voir, il aura une coupure noire. Donc il aura une transition noire en fait. Vous allez voir. Et là ça commencera le deuxième gameplay. Peut-être que je mettrai peut-être que je verrai, enfin je le dirai ou quoi. Mais bon voilà, j'ai décidé de vous le proposer parce que c'est deux gameplays magnifiques. Parce que déjà c'est deux Rocket V2 au sniper. Déjà c'est deux Rocket V2 au sniper. Ils se ressemblent énormément. Et en plus c'est du solo. Donc en fait les gameplays, vraiment, vous allez voir, on dirait que c'est la même partie. Et on dirait c'est, comment dire, c'est la même partie, ils sont identiques. On dirait que c'est deux gameplays. On dirait que c'est le même gameplay que je vous présente quand j'ai regardé. Mais c'est le même sniper, la même map, le même mode de jeu, le même camouflage, les mêmes séries de points. Voilà, il y a tout qui est pareil. Il y a vraiment tout qui est pareil. Limite j'aurais pu vous mentir, vous mettre en gros c'est une double nucléaire en solo et tout. Mais non, non, quand même pas. Mais t'imagines, voilà, c'est vraiment des gameplays qui se ressemblent énormément. Et du coup j'ai décidé de faire une vidéo avec deux gameplays. Enfin les deux gameplays parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Parce que je vais pas faire deux vidéos, une vidéo ça, une vidéo pour ça. Enfin voilà, j'ai préféré faire mes deux gameplays en une vidéo, voilà, deux Rocket V2 en une seule vidéo, donc c'est quand même pas mal, surtout qu'elle est en solo. Ils sont en solo, les deux ils sont en solo, donc voilà. Bon, alors deux il est quand même dur. Je trouve dur, j'arrive à jouer dessus quand même, mais voilà, en solo il est quand même compliqué. En groupe, j'ai quand même rarement joué en groupe, hein, vraiment sur Rocket 2. J'espère un jour qu'on pourrait faire un gros groupe, voilà. Genre jouer une après-midi en groupe et tout, je sais pas, un mercredi ou un week-end et tout, en groupe avec mes collègues et tout. Parce que, voilà, mais pas sur la play, bah en gros ils jouent à Fortnite, ils jouent à Black Ops 3, enfin comme moi, hein, comme moi je joue aussi au même jeu. Sauf que moi je joue beaucoup quand même à Warlord 2, et que eux ils jouent pas énormément, du coup on peut pas se faire un bon groupe et tout. Mais si je pense qu'un jour tout le monde décide à se faire un groupe sur Warlord 2, on lance du foot américain ou du capture drapeau ou de la domi, il y a vraiment moyen de faire un truc. Parce qu'on est quand même bon sur les Call of et tout. En groupe on est bon, donc il y a moyen quand même de faire des trucs de fou. Ils aiment pas du tout le jeu. Enfin, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Mais bon, voilà, il y a de temps en temps on joue ensemble et tout. Enfin voilà, c'est cool, mais bon. Voilà, du coup, ben voilà, c'est deux nucléaires en solo. Donc c'est en une seule journée. Donc j'ai réalisé 6. Si je vais. Ouais, j'ai réalisé 6, 7 Rocket V2 en 24 heures je crois. Donc j'avais commencé l'après-midi jusqu'au soir, et le matin je crois que j'en ai fait un peu. Enfin voilà, en 24 heures je crois, j'ai fait 7, 8 Rocket V2. Donc je n'ai fait plein en solo, et c'était que en solo. Donc les 7 Rocket V2 en 24 heures, je les avais fait en solo. Donc voilà, j'en ai plein à vous proposer. Je sais pas si vous voulez, je vous les proposerai. Dites moi dans les commentaires si vous voulez d'autres Rocket V2, tout ça. Donc le deuxième gameplay va bientôt arriver. Il va arriver je pense 4 minutes 30, 40, 50, truc comme ça. Voilà, de toute façon ça dépend quand vous verrez le truc et tout. Mais bon voilà, normalement là j'ai débloqué, ouais, la Rocket V2. Donc voilà, j'espère que les gameplays vont vous plaire. Je sais pas du tout lequel vous allez préférer. Vraiment je sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires. Moi je crois, parce que j'ai pas revu le gameplay tout de suite, je crois que le deuxième, ouais c'est la, non c'est la première qui est plus belle je crois. Je crois que c'est la première qui est plus belle pour moi. Alors la première, j'avais ramassé un petit peu la type 100 au début, je l'avais ramassé par terre et tout, parce que ça faisait 1000 ans que j'avais pas touché, enfin je jouais à la type 100. Du coup je me suis dit, bon vas-y je vais la ramasser par terre et tout pour faire quelques kills, pour voir et tout. Et du coup je l'ai ramassé, mais je l'ai gardé. Et des fois ça m'a quand même sauvé la type 100. Du coup voilà, j'ai quand même fait 20 kills sur, allez 15-20 kills au sniper. Peut-être les 4 kills, allez, à la type 100 j'ai dû faire.
Mais bon voilà, de toute façon j'ai fait la vicieuse dans le premier gameplay. Donc voilà, et le deuxième gameplay j'avais ramassé une PPSH. Je crois que ça m'a permis de faire 2-3 kills avec. Donc voilà, c'est pas dérangeant. J'ai pas trop utilisé la secondaire. Je crois que j'ai pas du tout utilisé la secondaire. Voilà, dites-moi dans les commentaires, voilà, si les gameplays vous plaît. Si vous voulez encore d'autres gameplays sur d'autres Rocket V2, voilà, j'en ai plein hein, à vous proposer. J'en ai 56 hein, si vous voulez. Hein. Mais bon voilà, je vais pas faire que des vidéos sur War 2, ça va être un peu saoulant et tout. Ça sera un peu la même chose et tout. Mais voilà, si vous voulez, dites-moi les armes que vous voulez voir. Bon, pas des armes trop dures et tout. Mais voilà, je peux. J'ai presque les. Enfin, j'ai la nucléaire avec toute. Enfin, la Rocket V2 avec toutes les SMG. À part une, je crois. Enfin, je crois que c'est la MP40, je l'ai pas encore. Mais voilà, les autres, je les ai. Les fusils d'assaut, j'ai les meilleurs. Hein. J'ai la STG, la barre, la FG42. J'ai pas la SVT, la M40 et la M1, je l'ai pas la Rocket V2 avec. Et j'ai pas à faire en fait la nucléaire avec toutes. Enfin, la Rocket V2 avec toutes les armes. Je pense pas que je vais le faire parce que ça me. Ça m'intéresse pas de jouer aux autres armes en fait, vraiment de jouer batteuse, de jouer pompe et tout, ça m'intéresse pas du tout. Même si White Patch, les pompes, je sais que le sniper sur Warlord va être patch, enfin le K90K, ce sniper que j'utilise dans le gameplay va être patch pour la visée, donc il va être un peu moins bien, je crois. Mais bon, je pense que ça va pas tellement. Ça va pas être dérangeant. Moi je joue beaucoup à Black Ops 3, je vais vous proposer plein de vidéos sur Black Ops 3, ne vous inquiétez pas, je sais que de toute façon Black Ops 3 c'est le Call of Duty que vous préférez le plus, que tout le monde préfère, que moi je joue le plus, il y a beaucoup plus c'est pas qu'il y a beaucoup plus de personnes sur le jeu, mais ça fait presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans que le jeu est sorti, Black Ops 3, et il y a quand même beaucoup beaucoup de monde, il y a énormément de salons. Sur World War 2, ce qui me dérange le plus dans le jeu, au moins je vous le dis en vidéo, c'est les parties en cours. Donc moi j'ai une technique pour ne plus rejoindre les parties en cours. Heureusement que j'ai cette technique parce que sinon je pourrais pas jouer à World War 2, je prendrais pas du plaisir. Je rejoins tout le temps des parties en cours et je fais mon astuce, ma technique, je la fais. Du coup bah je ne peux pas prendre de parties en cours sur World War 2 en solo. Quand je joue en solo, quand je joue en groupe, je peux pas faire cette astuce. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez l'astuce en solo. Donc en gros, je peux pas prendre de partie en cours. Vraiment, je ne peux pas prendre de partie en cours sur World War 2 en solo, je parle. Parce que en groupe de 2, en groupe de 3, jusqu'à en groupe de 6, je peux pas faire cette astuce. Enfin, en gros, c'est une manip à faire en solo. Mais bon, voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo que je peux faire, on va dire, sur World War 2, sur Black Ops 3. Et voilà, du coup, même sur Fortnite, des streams, si vous voulez des streams ou quoi, dites-moi dans les commentaires. Moi, des vidéos sur Fortnite. Je sais qu'il y a une nouvelle mise à jour qui va arriver pour la ville, les hôtels. Voilà, il y aura plein de choses sur les maps. Donc voilà, du coup, vous avez vu le deuxième gameplay. Voilà, la Rocket V2. Donc, vous avez vu deux Rocket V2. De toute façon, vous avez vu le score qu'il y a. Donc voilà. Du coup, voilà, n'hésitez pas à liker. Voilà, la vidéo, à commenter si elle vous a plu. Ça me ferait super plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Activer la notification, pardon, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc voilà, du coup, moi je te dis, c'était Carnage. Allez, ciao les gars.